L'Europe idéale, c'est une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe dans laquelle on discuterait entre représentants élus démocratiquement des différentes nations et on se mettrait d'accord sur quelques projets bien choisis, comme par exemple comme le projet Airbus. Airbus est un magnifique exemple de ce que pourrait être cette Europe des nations, puisque je rappelle que Airbus, c'est un projet qui a été porté par plusieurs États européens dans le cadre d'une négociation intergouvernementale, mais pas du tout par l'Union européenne. Et donc nous, on souhaite généraliser ce magnifique exemple.